On vient juste de fêter notre 10e anniversaire et en 10 ans, notre entreprise a doublé à chaque année. Hier, on a gagné notre 5e Fidéide. C'est tellement une tape dans le dos et un encouragement pour nous. Et on espère juste que les 10 prochaines années vont continuer à doubler chaque année aussi. Sérieusement, c'est vraiment un honneur pour nous. Ça n'a comme pas de bon sens que notre petite entreprise de 12 employés se retrouve finaliste et même réussisse à gagner dans des catégories comme celle-là. On a l'occasion de gagner beaucoup de prix dans notre industrie, mais de gagner des prix en entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment une bonne tape dans le dos. Puis c'est un peu une preuve pour nous qu'on fait bien les choses, non seulement dans notre industrie, mais en affaires en général au complet aussi. Les Fidéides, c'est aussi pour nous non seulement une bonne visibilité pour toute la population et les gens d'affaires du Québec, mais aussi je pense que c'est une manière de solidifier nos liens avec les différents intervenants, avec les banquiers, avec les différents paliers gouvernementaux. Je pense que c'est vraiment une bonne crédibilité pour l'entreprise. On vient carrément de vivre notre plus grosse année chez Novafilm. On a eu beaucoup de distinctions. Entre autres, il y a une de nos productions qui s'est méritée un lion à Cannes. Et dans notre industrie, c'est tellement important le portfolio, c'est tellement important les distinctions et la reconnaissance à l'international. Alors, c'est des clients qui viennent à nous, c'est des mandats potentiels qui viennent à nous, c'est des annonceurs et des agences de publicité qui nous appellent pour travailler avec nous. Et ça nous donne un peu le luxe de dire oui ou non, on embarque dans le projet. Je pense que c'est un luxe qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui a, et je pense que c'est quelque chose qui nous permet de rentrer par la grande porte pour travailler avec des nouveaux clients.